Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau numéro Vision Sport sur Activision TV. On démarre avec la Premier League où Chelsea a été surclassé par Manchester City 3-1. La débâcle des Blues fait les gros titres en Angleterre et Frank Lampard est dans une position très inconfortable. Dans les autres rencontres, Manchester United a dominé Aston Villa 2-1 et devient le nouveau dauphin de Liverpool. Tottenham s'est relancé contre Leeds 3-0 et Arsenal a enseigné face à West Brom 4-0. En Espagne, l'Atlético Madrid maintient le cap après sa victoire 2-1 contre Alaves grâce à Luis Suarez, buteur à la 90e minute. Dans l'autre match du soir, l'FC Barcelone a trouvé enfin des couleurs en Liga. Les Catalans se sont imposés 1-0 face à Huesca et commencent parfaitement la nouvelle année grâce à son milieu de terrain néerlandais Frenkie de Jong. Samedi, le Real Madrid a battu Celta Vigo 2-0. On file en Italie où Cristiano Ronaldo continue d'écrire sa légende. En effet, CR7 s'est offert un doublé lors de la victoire de la Juve contre Udinese 4-1. L'Inter Milan a balayé Crotone 6-2 avec un triplé de Lautaro Martinez. L'AC Milan a confronté sa place leader en s'imposant à Benevento 2-0. En Allemagne, le Bayern Munich a renversé Mayence 5-2. Dortmund a renoué avec le succès en dominant Wolfsburg 2-0. Et Schalke poursuit sa descente aux enfers après une nouvelle défaite contre Berlin 3-0. Et on termine avec la Ligue 1 sénégalaise. La première journée s'est jouée ce week-end avec Djambar qui a battu NGB 2-1. L'AS Douane a pris le meilleur snap de Thiès 3-2. Génération Foot s'est imposée face à Lisgoré 1-0. Et Stade de Mbour et Dakar Sacré-Cœur ont fait Mosnil 0-0. Niambour et l'AS Pikine se sont quittés sur un score de 1-1 partout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous très prochainement.